Je suis trop dégoûtée parce que Carole elle part aujourd'hui. Je suis dégoûtée. C'était bien, tu sais, je me suis archi bien sentie là, pareil. Comme chez moi. Welcome to my house. Elle était venue, la semaine dernière, il y a c'est Isa, Natna et tout qui étaient venus. Et là, c'est Carole. Et d'ailleurs, je parlais avec Nini et j'ai dit qu'en juillet, vous devez venir. Non, c'est à l'envers, ma belle. Ah ouais ? Non, mais non. C'est pas possible, vous pouvez pas me mentir comme ça en pleine gueule. Ça se fait pas, les filles. Ça se fait pas. Je ressemble pas à Dilo, c'est pas possible. On m'est saucé. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dodo. Moi, j'ai super bien dormi, ça m'a fait du bien. Et je suis contente parce que je me suis pas du tout levée tard. Enfin, on s'entend quand je me suis levée tôt non plus, mais je me suis pas levée à 14h. Je me suis réveillée à 11h. C'est juste que je traîne au lit. On a discuté avec Carole, vite fait. Et on va aller manger un truc, elle et moi. Et après, moi, je rentre ici vers les coups de 14h, 15h. J'ai trop de choses à faire chez moi. Mais quand je dis trop de choses, c'est vraiment genre j'ai trop de choses. J'ai un peu la flemme. Dans ta story ? Ouais, je suis choquée parce que j'étais en train de... En fait, j'étais en train de dire à Carole que hier, quand j'étais en boîte de nuit, genre, j'étais à deux doigts de pleurer parce que j'allais lui raconter une histoire qui s'est passée hier soir. La meuf, elle rigole. Elle me regarde, elle rigole. Non, je dis, mais pourquoi tu rigoles? Je suis en train de te raconter. Ça, que... Elle a le sourire quand elle raconte ça. Ouais, parce que j'ai pas pleuré de tristesse. J'allais pas pleurer de tristesse, mais j'étais émue. J'ai reçu un message et j'étais. Mon Dieu, que je suis une mauvaise copine. Ça m'a vraiment touchée, genre. Et Carole, elle me regarde, elle rigole. Elle me fait. Non, vas-y, je t'écoute, c'est bon, ma belle. Pourquoi? Raconte-moi, ma belle. Je t'écoute. Ouais, mais tu souris encore une fois. Bon, je suis prête. Il y a quelqu'un qui arrive aussi. Ah, il y a Carole qui arrive. On est ready, on va vite fait aller déjeuner quelque part. Il n'y a pas à être posé comme ça. On va vite fait aller déjeuner quelque part et après on va prendre son train. Bon. J'attends qu'il vienne réparer ma porte, j'en peux plus là. Elle est mal vissée du coup. Elle grince de ouf. On va aller déjà avec Carole et après elle part prendre son train. Comment il fait chaud, oh là là. Combien ? 71, c'est comme ça qu'on dit. 71 ? Ouais, 71. Et ça, c'est bon. J'essaye de m'adapter, je viens de Suisse. Mais pourquoi il y a un code quand tu commandes des Uber, toi ? Pour la story d'avant, quand je disais que quand j'étais hier en soirée que j'ai failli pleurer, je vous explique, mais je vous la fais courte parce que j'ai pas envie d'être émue encore. En fait, j'étais fâchée avec ma cousine Inès. On se boudait un peu, ça faisait peut-être 3 semaines qu'on se parlait plus. Et du coup, bah, vu qu'elle a une fierté très mal placée, moi aussi, je suis une fille, j'ai une fierté très mal placée aussi. Mais je sais la mettre de côté, surtout quand il s'agit de ma famille, etc. Donc, j'ai envoyé un message. Après, on a discuté. Après, elle me dit, c'est pas quoi, ta mère et ton frère, ils ont pris un chat en Suisse. J'ai dit, mais non. Elle me dit, non, mais c'est pas quoi, c'est quoi le pire? J'ai dit, c'est quoi? Elle me dit, en gros, ils l'ont appelé Mimi. Et moi, faut savoir que mes parents, ils m'ont tout. Ils m'appellent Mimi, genre c'est mon surnom. Mes parents, ils m'appellent toujours Mimi. Et du coup, bah, ma mère, elle a appelé Mimi, elle a dit une Mimi est partie de la maison et une autre, elle est rentrée à la maison. Et du coup, ça m'a trop touchée. J'étais à fleur de peau hier. On va aller récupérer une valise. Et il fait trop chaud, mais genre, il fait archi chaud. Mexique. Carole, elle a pas mis de crème solaire. Vous êtes plus à toute crème. Ouais, crème de bap, tout ça. La route. Petite visite guidée de Nat. Alors ça c'est nouveau, tu vois, c'est une création. Voilà. Nat, on dirait c'est la daronne à Carole. La maman de Anja ressemble plus à Carole que à Anja. Oh, j'ai récupéré ma meilleure amie. Elle était au Maroc, elle a trop. Trop kiffé. Ah ouais? Tu retournes quand? Ça lui va bien. Non, regardez comment elle est revenue fresh. Ouais, reposée. Et belle, là. Détendue. C'est bien. Plein de souvenirs. J'adore. Elle retourne chez elle avec nous en septembre avec ma mère et tout. J'espère. Nettoyer la caméra. Elle part. Elle me fait jamais de bisous. Hein. C'est une. C'est très rare. Très rare. Allez, ciao la Suisse. Natacha, it's you. Oh, it's me. Vous comprenez pourquoi Anja c'est mimique? Voilà. C'est pour ça. Je l'adore.
Elle a fait. Tu m'aimes comment? Eh, je vais vous dire pourquoi elle répond ça. Parce qu'une fois, elle a eu malheur de me dire je t'aime. Elle s'est fait lyncher par ses amis parce qu'apparemment elle dit pas souvent je t'aime. Donc je te repose la question, tu m'aimes comment? Chouïa. Menteuse. Menteuse. Je voulais avoir. Les gars, regardez le petit sac à Anja. Il est mignon, mais regardez ce que... En fait, on peut mettre quoi là-dedans? Un gloss, une carte bleue, des chewing-gums. Super, il est pourri son sac. Non. Pourri. Viens, ma vie. Mets-toi dans le golden hour. Waouh. Regardez comme elle est belle. Waouh. Merci. Et moi? Bah oui, t'es belle. Guys, en dehors de mes bêtises avec Anjet, je voulais vous parler d'un truc hyper, hyper important. Je pense que ça va en intéresser plus d'un et plus d'une, parce que vraiment, pour le coup, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Flash pare-brise. En fait, c'est une agence qui vous répare tout ce qui est pare-brise, flash, etc., impact par rapport à vos vitres, etc., sur place. Eux, ils viennent en fait directement sur place. Ça veut dire que si c'est chez vous, ils viennent jusqu'à chez vous pour régler le problème. Ou si c'est à votre lieu de travail, ils viennent à votre lieu de travail. Ils sont vraiment hyper, hyper efficaces. Et le must dans tout ça, c'est qu'en fait, la franchise, elle est prise en charge à 100%. Donc, c'est très, 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 très intéressant, pardon. Et en fait, le must dans tout ça, ça arrive à tout le monde de faire des dégâts. Ça arrive à tout le monde de casser. Enfin, moi, je sais que... Je vous explique même pas toutes les fois où j'ai fait des dégâts avec ma voiture. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs j'en ai plus. Vous avez des offres promotionnelles venant de ma part qui vont jusqu'à 200€ selon votre assurance et selon votre assurance. Donc je vous mets mon offre juste ici et je vous l'identifie également. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à les ajouter. Si j'ai pas pu répondre à des questions ou quoi via ce snap auquel vous vous posez, n'hésitez pas à leur écrire, ils sont super 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 réactifs. Et si maintenant tout de suite vous n'en avez pas besoin, tant mieux, ne cassez pas vos voitures. Mais gardez ce contact, ajoutez-les, comme ça si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez leur contact. En plus de ça, ils font ça dans toute la France, que ce soit à Paris, dans le sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Bref, j'ai tout dit. Ils font ça partout. Et niveau prix. Cinéma, tu sais. Ce que je dis, moi je le fais. Je connais la gloire, je vis pas pour ça. J'ai fait de mes défaites un succès. Après une heure, je suis agité. Je suis pas là, chaque. Get me y'all crisscross, so I fall to the floor. Then you pause, then in horror, that shot wasn't for her. Ah, c'est ce soleil, il est incroyable. Là, il n'y a plus.
quand même dans ce cas. C'était trop bien. C'était...